donc c'est 6 mois pour tourner une saison pleine, c'est-à-dire 12 épisodes. Alors sur une journée, on va dire, qui est censé faire un 9-18 heures, on est convoqué ici à peu près 1h30 avant pour se maquiller, se faire coiffer, s'habiller. Et puis ensuite, si on ne fait pas d'heures supplémentaires, ce qui est assez rare, parce que le rythme de la télévision, c'est quand même assez soutenu et intense, on termine à 18h, ça veut dire qu'ensuite il faut se démaquiller, se déshabiller, se rhabiller, repartir chez nous. On est environ à la maison vers 19h30. Quoi. On ne sait pas tellement à l'avance en fait quand on arrive sur un plateau comment les choses vont se faire. Donc après, ça se fait avec surtout les partenaires, avec le climat qui se dégage, avec voilà, tout un tas de choses, mais qu'on ne peut pas vraiment prévoir à l'avance. Ce qu'on peut prévoir, c'est de connaître notre texte. Oh, le texte, on le reçoit. On va dire un mois avant, je pense. Ah ben on le lit d'abord, bien sûr, évidemment. On le lit, après on peut le relire. Mais moi, les scènes, je les apprends vraiment. Je commence à les apprendre 3 jours avant. Si on doit être dans une énergie assez haute, ce qu'on peut faire, c'est n'importe quoi. C'est se chauffer un peu, c'est courir. Non, c'est pas un rituel. C'est que j'angoisse toujours, moi. Surtout si c'est une scène un petit peu importante, etc. Je suis mort de trouille, en fait. Et donc, je me tape des insomnies avant de démarrer. Je crois que j'avais entendu ça d'un clown ou d'un comédien. Commencer par travailler par ses pieds, c'est intéressant. Tu mets des chaussures, et puis tu sais que tu... Là, je sais que je suis en train de jouer Lucienne en 1940. Des chaussures tellement coincées que ça ressemble beaucoup au personnage. C'est une équipe qui fonctionne depuis le début, pour l'essentiel, pour les chefs de poste, la déco, la lumière, etc. Donc il y a quelque chose de très familial. On a une super cantine, je crois qu'on a la meilleure cantine de France. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. C'est censé être une ambiance de revanchardise. On s'apprête à tourner une séquence où le personnage d'Hortense Larcher va se faire tondre par la foule des FFI et des badauds. Voilà. Il y a pas mal de prises, en fait, parce qu'il y a pas mal d'axes, il y a pas mal de plans. Comme on dit, c'est assez découpé, c'est une séquence qui est découpée parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc on va évidemment faire des plans larges de situation générale. Après, il y aura des gros plans sur les protagonistes principaux, puis aussi sur la foule. Et quand on assiste à ça, ça fait peur, en fait. Voir comment une foule... Peut s'embarquer comme ça, peut libérer toute sa haine. C'est de la télévision, c'est du cinéma, c'est de la fiction. Donc évidemment, c'est pas du vrai. C'est un vrai travail avec un spécialiste qui a fait un faux crâne, avec une fausse implantation de cheveux. Voilà, ça fait totalement illusion. Ah, l'accessoire essentiel, la bouillotte, une bonne bouillotte, une bonne doudoune. Des chaufferettes aux pieds. On a toujours des équipes super autour qui prennent soin de nous. Juste avant de tourner, on a encore des manteaux sur nous. Et puis juste après avoir tourné, on nous couvre aussi. Donc voilà, après, c'est boire des thés chauds, des infusions au gingembre, au citron, enfin, des trucs comme ça. Quand on joue, on sait qu'on n'a pas le temps d'être malade. En général, on est malade quand le tournage s'arrête. Allez, on vire les ponchos là dans le fond. Et allez-y! Là, on est dans une saison quand même assez dure. La série est bien faite dans ce sens qu'elle montre que c'est pas rouge ou noir, que les choses sont beaucoup plus complexes.